Environ... Ah, attends, qu'est-ce que c'est que ça? Environ 101,5 en centimètres. Comment ça s'appelle? GAC 1 en haut, hein, c'est ça? Hein? Quoi? Ouais. Dans les 2 carrés du... Dans les 2 mètres carrés du sondage, on a atteint le bedrock. Et bah là, on va traiter le mobilier parce qu'on a quand même un bon corpus. On va essayer de faire des dates. Et, là, on est juste en train de faire le plan, de faire un profil, prendre des évaluations. Là, on travaille exactement sur à comprendre un peu la formation. Ici, c'est un abri, la formation de l'abri. Donc, on fait plutôt on travaille vraiment là sur de la petite échelle, effectivement, comme tu dis, ouais, de la petite échelle. Bon, même si effectivement avant, mais je pense qu'on en discutera demain, on a déjà fait un petit peu à l'échelle de cette montagne rouge, on a déjà fait un petit peu le paysage, on a déjà compris comment c'était formé. Et on a compris exactement la formation de ces abris. Et maintenant, on a réussi à trouver un spot qui permettait de récupérer du matériel archéologique qui est vraisemblablement bien en place. Donc là, avec Clément, on est en train de faire le relevé, on a fait un premier sondage. Après, Clément, il va étudier tout le matériel qu'il y a à l'intérieur et vraisemblablement, l'année prochaine, on reprendra une étude un peu plus complète de l'abri. Tu veux autre chose dessus ou quoi? Non, c'est bon. Le bloc doit être à la même altitude que celui du sondage. Ouais, c'est bon. De toute façon, on l'a en plan après. Hein. Non, mais c'est... Je pense que... Et moi, tu veux que je continue l'ensemble Non, parce qu'en fait ma coupe elle passe pas là quoi. J'ai les deux autres blocs si tu veux à la rigueur. Non, c'est pas la peine. Mais là ça montre bien que tu vois on a la paroi qui est là et que du coup il y a quand même du potentiel tu vois sur en sédiment là quoi tu vois donc c'est pas mal. Tu veux ce point là? Je prends l'autre angle. Parfait. 4,30. Tu veux qu'on prenne... Ouais, je veux bien. Le bout du rocher, c'est super. Ça, c'est à vous. Et sur le même axe, ouais, t'es à combien? Tac. Pas beau, ça, peut-être. Et je tenais à te dire que je suis un maniaque au niveau de mes petits murs de briques. Hein. I think we are right. You're right. I think we are right. Okay, if you're right, alors, in that case, it's perfect. I just finished my drawing, I will show you and we will see if something is missing. Là, je t'ai dit par rapport à la surface. We collected lithics, upper paleolithic, lithics, MSA and LSA, paleolithic material from the area, and I think it is very rich in lithic material. This is an archaeological mission, very interesting, and we collected a lot of artifacts from the area, including bones of different animals. And these bones, not only bones, but also teeth of bovids and other animals. Yeah, all of them will be taken to the National Museum and will be collected there, and laboratory work will be conducted in the future, you see, after this field mission. Two meters, 23.